Britney Griner reste en prison. L'appel de la basketteuse américaine condamnée en Russie a été rejeté par la justice. La Maison-Blanche a dénoncé une procédure bidon et le président Biden a exigé que la sportive soit immédiatement libérée. Sauf qu'en plein conflit russo-ukrainien, l'affaire devient géopolitique. Son avocate explique ici que ce sera à Britney de décider si elle veut poursuivre sa bataille contre la justice russe. Le 4 août dernier, la basketteuse est condamnée à 9 ans de prison. Britney Griner a été arrêtée dans la capitale russe en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis. Une substance qu'elle aurait apportée en Russie par inadvertance, qu'elle utilise légalement aux États-Unis en tant qu'antidouleur. La basketteuse pourrait profiter d'un échange de prisonniers. Elle serait relâchée contre un trafiquant d'armes russe en prison aux États-Unis pour 25 ans.